gari na kio ransi ye mjini jibla ohe ni darama tu kusuma hasi ya jibla ese ye kusuma na kishinu hili ni ndire lewe esha tongeza na katsivan gari pare kwa kukufu kwa rijili ya kwa kisirikani Silence, mesdames et messieurs, distingués invités, salam alaikum. C'est avec une grande et immense honneur que je prends la parole aujourd'hui pour le lancement officiel du centre Soul Arasi de Mitsavim. Cet événement marque un jalon important dans nos initiatives collectives pour l'insertion professionnelle des jeunes au Comor. Je tiens, au nom de l'équipe de programme de Soumou Larasi, à remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont contribué à réunir les conditions qui nous permettent d'inaugurer aujourd'hui, à Mitsamioli, le premier centre Soumou Larasi. Très prochainement, nous aurons l'occasion d'inaugurer les centres Soumou Larasi de Moroni et de Mitsavim à Ojo. Le programme de Soumonaz que j'ai l'honneur de diriger a pour objectif d'apporter les appuis nécessaires aux centres de formation, aux ateliers d'apprentissage, au secteur privé et à la société civile en vue d'assurer l'accompagnement des jeunes à l'insertion professionnelle. Il répond à un besoin urgent l'accès au marché du travail et d'offrir des opportunités de pour emploi à travers des formations techniques et professionnelles. L'institution sauve la rade, chemin vers l'emploi, vient incarner cette mission et cette ambition. Pourquoi les centres solaires y sont-ils importants pour notre jeunesse? Les centres scolaires qui sont une des initiatives d'orientation et d'insertion professionnelle au Comores, dédiées aussi bien aux jeunes femmes et aux jeunes hommes. Notre approche territoriale assure une proximité essentielle avec les jeunes, facilitant ainsi leur intégration dans le tissu économique local. À cet effet, les centres sont la Asie en vocation à devenir la plaque tournante de la mise en réseau de proximité des acteurs de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes. Quelles sont les missions prioritaires des centres sont la Asie? Dans les centres sont la Asie, nous avons des équipes dévouées de conseillers en orientation et insertion professionnelle, qui offrent aux jeunes un accompagnement sur mesure. Les priorités dans cet accompagnement incluent l'accueil et l'écoute des jeunes, l'orientation vers des formations adaptées, le suivi personnalisé et la mise en réseau avec les entreprises. Les centres SOLAN s'efforcent également de créer une interface efficace avec les partenaires de l'écosystème, de la formation et de l'insertion professionnelle, favorisant ainsi la mise en réseau et le partage d'informations cruciales, l'entrepreneuriat, la formation et l'apprentissage. Voici quelques chiffres qui témoignent de notre engagement et de notre volonté de réussir. À ce jour, 4 centres scolaires sont opérationnels, en Gazidja, en Tswani et en Kouani. D'ici 2026, nous prévoyons d'opérationnaliser 10 centres scolaires. Nous avons appuyé la mise en place de 3 orientations et insertions professionnelles à l'IUT, à l'École nationale de pêche et de marine marchande et à l'École nationale technique et professionnelle. Nous avons formé 34 conseillers d'orientation et insertion professionnelle.
6 000 jeunes bénéficieront des actions du programme Somonaz, 3 000 jeunes bénéficieront de l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Quelle est la vision vers laquelle tendent les centres Somonaz? Nos actions sont animées par un élan citoyen vital. Agir dans le présent pour préparer un avenir où chaque jeune Comorien aura les moyens et les ressources nécessaires pour réaliser ses aspirations sociales et professionnelles. Les centres Somonaz, dont celui que nous inaugurons aujourd'hui, dans la belle et dynamique commune de Mitsamioli, sont une pièce maîtresse du grand puzzle de cet avenir à construire avec les jeunes. En ouvrant des formations de qualité et un soutien constant, nous contribuons non seulement à l'épanouissement personnel de nos jeunes, mais aussi au développement économique et social de leur pays. Pour conclure, mesdames et messieurs, l'inauguration du centre Somonaz de Mitsamioli est un symbole d'espoir et de détermination. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque jeune trouve sa voie et s'épanouisse professionnellement. Continuons à agir de concert pour bâtir un avenir meilleur pour nos enfants, notre jeunesse et notre nation. Je vous remercie de votre attention. J'invite à présent Madame l'ambassadrice de l'Union européenne. Madame. Le directeur l'a dit, l'a rappelé, il s'agit d'accompagner
d'accompagner la formation et l'insertion professionnelle de 6 000 jeunes comoriens sur les 3 ans. Et parmi eux, de 3 000 recevront un apprentissage grâce à des partenariats avec des entreprises privées. Ces jeunes seront formés à de nouveaux métiers, notamment le secteur de la pêche, le secteur de l'économie verte et bleue, ou encore dans le secteur du numérique. Et ceci vise à adapter la main-d'œuvre, mais aussi les compétences pour relever les défis, mais aussi saisir les opportunités économiques. Au-delà et en synergie avec les actions dans le domaine de la formation professionnelle, je tiens à souligner notre engagement au niveau de l'Union européenne dans le développement de l'entrepreneuriat, mais aussi du commerce, de l'investissement privé, en soutien à une croissance économique dynamique, porteuse d'emplois. Dans ce cadre, nous avons une action cohérente. C'est comme ça qu'hier, j'ai par exemple visité un centre qui accompagne des jeunes qui ont un projet d'entrepreneuriat et qui les met en relation avec des formations, mais aussi des opportunités de stage pour qu'un jour ils puissent eux-mêmes créer leur entreprise. Il s'agit de renforcer les liens entre la formation et le marché et ses besoins spécifiques. Il en sera de même pour les programmes de lancement dans d'autres domaines, par exemple le Pacte Vert et Bleu, un grand projet de 20 millions d'euros que nous déployons aux Comores, qui est déjà largement entamé et qui va être aussi visé à saisir des opportunités dans le domaine de l'agriculture durable, mais aussi dans le secteur de la pêche. Nous avons encore des programmes d'investissement, par exemple pour orienter les investissements de la diaspora vers des investissements productifs. Et il y a encore quelques jours, j'ai signé avec plusieurs ministres deux programmes, dont un vise justement à prendre la suite du programme Mobile et à accompagner l'amélioration du climat des affaires pour promouvoir l'entrepreneuriat, le développement du secteur privé, lever au commerce ou à l'initiative privée, notamment en soutenant un dialogue public-privé, en améliorant les procédures douanières, en offrant des formations ou en offrant aussi tout un service d'amélioration de la qualité de mise aux normes pour l'exportation, ce qui répartit du fait que le marché européen est complètement ouvert aux produits, aux marchandises colombiennes. Donc je fais bientôt le bilan de mon séjour ici, qui s'étend aujourd'hui depuis semaine, et je veux dire que je suis ravie de voir qu'il y a des initiatives, beaucoup d'acteurs qui sont de bonne volonté, avec un réel dynamisme à tous les niveaux de mes interlocuteurs. Et je pense que nous devons ensemble offrir un meilleur avenir à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est porteuse du développement du pays. Donc je tiens à rappeler que l'Union européenne est aux côtés du pays pour l'accompagner dans ses ambitions vers l'émergence, et que nous contribuons ensemble à apporter un avenir meilleur à de nombreux jeunes, des millions de jeunes, en vue d'assurer la paix et aussi le développement inclusif et durable du pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, madame. Kabla ya unika waziri ya unogo, uwaleza ukaya ambasadisha ya Europeni, ambasa, yezi mshitarika au wajibanyo wa timanisa kila kumon au tsaha kisaha kiyoneswen au nesta ye baraba jibanyo mbali Francis Hedi Imam, Francis Aholanga, Francis Tzawsetia ya mashika ya kinafsia, Francis Tzawsetia ya mazama ya meneleyo ili izalwepe chanyi matima na yeti hatu kiyoneswen. Kabla waja huu teulika waziri onoko kuhuliza ukaya leo kasi na furaha hakuu kapita mihuni uliza tangu jema na utoka leo mshe kati huni uoni mbumia kawasoni shere mshe halupane sawa na mbume yuda ili jima kawa uliza hapa ya mbumia.
C'est donc rappeler effectivement que les Abdoulis donnent le bon exemple, parce que d'habitude, on a l'habitude de mettre les hommes devant et les femmes derrière. Aujourd'hui, les femmes sont devant comme les hommes et c'est une avancée pour les femmes. Merci. Excellence, ministre. De l'apprentissage dans nos ateliers traditionnels pour
pour permettre aux apprentis d'obtenir un certificat reconnu. À cet effet, après une expérimentation de 6 mois à Moëlly, des mécaniciens, des maçons et des menuisiers de Ngazidia et de Nzouani viennent de terminer les formations pour intégrer cette nouvelle dynamique. Le second chantier d'innovation est celle qui nous réunit ce matin. Il s'agit de la mise en place du dispositif national d'insertion professionnelle qui est matérialisé par les centres d'orientation et d'insertion professionnelle que nous avons choisi l'appellation SOLASI. SOLASI parce qu'il s'agit d'ouvrir aux jeunes le chemin vers l'emploi. Honorable assistance, SOLASI n'est pas que ce joli bâtiment que l'on voit en face de nous ici à Nzamioulé ou encore à la coulée de lave à Moroni ou à Godin à Moutsangou. SOLASI, c'est d'abord ce chemin que le jeune va choisir pour entrer dans la vie active. SOLASI est ensuite et surtout des personnes bien formées, compétentes et motivées, que l'on appelle des conseillers en orientation et en insertion professionnelle. SOLASI et ses agents dévoués, qui sont là pour accompagner chaque jeune dans son parcours, son chemin. Leurs principales missions sont l'accueil, l'écoute, l'orientation, le suivi et la mise en relation avec les opportunités de formation, d'emploi et de financement. Parallèlement, ils assurent une interface efficace avec les partenaires, favorisant ainsi la mise en réseau et le partage d'informations. SOLASI est enfin cet outil qui va permettre de matérialiser la politique de son Excellence, le président Azali Assoumani, un jeune, un emploi. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à ce personnel du ministère de l'Éducation nationale qui a fait le choix de devenir les pionniers de ce nouveau métier. Je tiens surtout à les rassurer qu'ils ne sont pas lésés dans leur droit, surtout s'ils sont animés de bonne volonté. Bien au contraire, mes services, dans le cadre de la célébration de la déclaration Schuman, consacre la création de l'Union européenne, je souhaite que les valeurs de paix et de prospérité pour les peuples se répandent et se consolident partout dans le monde et notamment dans notre pays. Et cela ne peut se faire que si les jeunes peuvent accéder rapidement à des emplois durables et décents. Chers partenaires de l'éducation, les Comoriennes et Comoriens, jeunes et adultes, sont sensibles aux efforts que vous fournissez, à la patience que vous montrez et à l'accompagnement technique et financier des programmes qui sont en cours au niveau de l'éducation en particulier, mais également en Union des Comores en général. Vive les Comores dans la paix, la stabilité, le plein emploi et la prospérité. L'association Daïma et Manawadou, qui sont financés par l'Union européenne, qui sont venus vous présenter ce qu'ils font en matière d'artisanat numérique, en matière de sécurité alimentaire et surtout
la relation qu'il faut y avoir entre les agriculteurs et les nutritionnistes pour améliorer l'alimentation de nos habitants au vu de ce qui se passe actuellement, les maladies qui sont causées par des nourritures qui ne sont pas adaptées. Pour l'instant, c'est un modèle que nous avons ici de voir des aliments préparés pour assurer notre santé. Maintenant, donc, la cérémonie prend son envol pour accueillir son Excellence M. le Président. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de l'Union des Comores. Monsieur le chef de bureau de l'Union européenne aux Comores. Monsieur le préfet du Nord. Monsieur le maire de la ville. Monsieur le maire de la région, M. Amouni-Amouane. Messieurs les notables, messieurs les coordonnateurs du projet Psomona-Haz, messieurs les secrétaires généraux du gouvernorat et les membres de mon cabinet, madame, mesdames et messieurs, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au lendemain de mon investiture, dans mes fonctions de gouverneur, c'est avec fierté et enchantement que je m'adresse à vous aujourd'hui, à cette cérémonie d'inauguration officielle du centre Sonahazi de la région du Grand Nord de l'île autonome de Gazika. C'est pour moi une heureuse coïncidence d'avoir cette opportunité de m'exprimer pour la première fois en ma qualité de gouverneur de l'île autonome de Gazika, ici, dans ma ville natale, sur l'une des priorités du chef de l'État, Al-Imam Wazali Ousmane, à savoir la lutte contre le chômage des jeunes à travers l'insertion et la formation professionnelle. Je voudrais tout d'abord réitérer mon engagement et ma détermination à Son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, son gouvernement, pour la volonté manifeste à promouvoir l'emploi de jeunes à travers des actions innovantes selon une approche participative et de proximité impliquant le gouvernorat dans ses efforts mis en œuvre des politiques sectorielles dans son territoire. Une mention spéciale de remerciement est également adressée à l'Union européenne, représentée ici par son ambassadrice, pour son appui substantiel et permanent à la mise en œuvre du plan Comores émergent à l'horizon 2030, au niveau des îles autonomes, mais surtout en particulier en Gazika, dont j'ai la charge de diriger en symbiose avec les orientations du chef de l'État. Enfin, je remercie le comité d'organisation de cette cérémonie, ainsi que la communauté de Mitsanouli pour leurs diverses contributions à l'organisation réussie de cet événement historique. Honorable assistance, mesdames et messieurs, en dépit des progrès réalisés ces dernières années en matière d'accès à l'éducation, la jeunesse comorienne demeure
inadéquations et des mini-adéquations de la formation propre qui caractérise le système éducatif. En effet, face au taux de chômage galopant et au fléau qui guette une jeunesse désœuvrée, face à la violence caractérisée, amplifiée par la délinquance qui gagne les villages, les rues, ce centre, Sohoulahasi, constitue un rempart que j'espère solide, résilient et infranchissable pour préserver notre jeunesse. Car il continuera à former les jeunes en leur offrant des atouts pour réussir leur apprentissage et leur ouvrir des perspectives pour un avenir meilleur. Plusieurs jeunes garçons, ces filles, sont livrés dans la rue, sans qualification professionnelle, et demeurent une bombe à retardement pour la paix et la stabilité de notre cher pays et de notre région en particulier. Le centre Sohoulahasi que nous inaugurons aujourd'hui et qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Union européenne et l'Union des Comores à travers le projet Sohoulahasi a pour objectif principal de relever le défi du chômage et du sous-emploi des jeunes par la mise en place des dispositifs innovants et performants de la formation et de l'insertion professionnelle. Ce centre vise à ouvrir un cadre pour l'Iran. Il accueillera également ceux qui sont en apprentissage, en formation technique ou professionnelle, et même les diplômés du supérieur en quête d'orientation. Bref, ses principales missions sont l'accueil, l'orientation, l'accompagnement vers l'emploi ou l'entrepreneuriat et l'appui à la création d'entreprises ou de projets. Je crois que dans la perspective de l'ouverture prochaine de l'État de Galawa et de l'installation du centre photovoltaïque d'énergie solaire dans notre région, le centre dispensera des formations professionnelles dans ces domaines stratégiques et porteurs d'emploi. Je souhaite vivement que l'équipe qui sera chargée de la gestion de ce centre sera exigeante et accueillante et saura développer une formation de qualité et un sens de responsabilité ainsi qu'une obligation de résultat. Tout le monde connaît ma passion. Tout le monde connaît ma passion pour la jeunesse et mon implication positive par rapport au sport qui demeure un loisir et une école principale. Harouma, je vais maintenant le niveau de Mahalem Jaouandani, Tekrize Houta, Nouraba Houta, Rasmi, Harmashouli, Yadaoula, Harmanyoka, Ikae, Itsani Olimjini. Centre, j'ai senti un ami, Rundani et Moulao Mitsami.
Haya boketi fasiri mginu ya mitabili mjini. Inu ya hele dawu na bawu le grano. Ya buhena mkulele mkule ama hame kwangu. Na mitanuli, wawuwa lazima na wawupia, wawuwa na lazima wajibani. Wawude za mweka ule za lazimu, wazimune. Ili, rando kaya. Inu proje inga uge banyawo ye grano. Ebe kere ya shukuri yao, ne kukumanyo. Nous avons l'Union européenne, nous avons l'Europe, nous avons l'Europe, nous avons l'Europe, nous avons l'Europe, Yevan, et l'Européenne, Yosemia, avant Mivas Mitch, Chale Ho, Narukirokan, Lewita Gala, Aukale Oge, Jopanye Nogo, Zautongezo, Wanahat, Wanawe, Amogur, Wanahat, Wasome, Wangewan, Mushka, Kerkunohaz, Bande Mesha. Watuku, Nadalo Kaya, Sanda Kofut Bahamu, Tuzina Kaurekaze, Wamana, Zomogre. Kaya sisi waziri jemani. Nani wananya na waziri wa duka wana wanawazwa jini. Wamekamilisha hatu za hii guvernora ya Gazija au ze guvernora pia. Mwefikiri huko hii serikali walazimwa zijenzia ni dasi. Au kasi ile rulo na yangu rulo na nanga kutoka na mdala. Leo namshukuriyo ni waziri wa usomo. Abu ya nimeshwa na Hashim. Jeru ni kazi ngo zimu, zimu zahari, zimu wa hasan, heli kumeshi kazija, kujojua ya hune makaida. Ya mbumi himi, kwa mbukaye guvernora, joka wye desa, hauna uleta hini ndio soleo. Nge joka ya, vazima ne sirkari ya ndavu, vazima ne muwahe ndavu, hausisiria, haushangiria, sefikire kaunga zonzo keze kazija ya hanyu, Ibasawuhe, ibadilihe, uwanawangazija. Awe ni mwana kuwanti gazija, ya shidea umemesha hae, ya shidea kisa shehazi, ata juwe manna. Na hamisa hamika kuwa mwendo nukimize mandayu, nge mikane, wakati wa mbaya, Ibrahim wafanya frani, Ibrahim na wananya wafanya. Wezi watu kufu, tika zari mwelezele maana, kima janini. Nonti pia manotamu, wana sioni. Kamchuwa ugeshu wa ya nadani ya siwa. Ano Kur'ani, yosu ila ilarabwa kutubia kapa ikra. Soma. Yabo, yungyo na fasiri, usoma timpakari kema doktori pia. Tanoshi. Timpakari kema engineer soti pia. Nona. Gabwa nuwa muna sembe. Gabwa muna troisième. Gabwa nuwa taterminali bae mwumbaki bae. Wao kwa jazi wanuwa zilwa. Wao nowe njiwe seya la zimu wangalie. Wakane munu wa hazi wa shinde. Wateme shaha. Kesu la zimu wanuwa zilwa. Balema na kamari kwa wa amba mchume. We, kama mchume kasoma. Chabala wa amba mchume. Sonsi kia zuri wani mamkume. Rambi wakamunuwa nufano wa hatu. Wema, kwa mchume zilwa. Kila zimu lewe wa zilwa hatu. Heni munu na zomba na mwani. Umuhimu handani, lumso. Kajabu waka mpaka mbebaki na tukua tusoma na tukutaru wa mtomo na sumehazi. Izo ni zakura mbaleo. Wani, amwesheleo wakati mlo shioni. Basi, kuna mbrehe, wadaka funi watu. Na blazebele. Basi, kwa waka shiotashi na shabuwa irshado muskimi. Ndo deba. Basi, haka mwe pashi ya mili nyumu na mboka mfume wa yama. Angakwa ni mulai ni afwal, mina shuhadani, mina lukunjani, mina lomari, mina. Eto kule ni mbitu. Sile ya zoma, angakwa taka hili, yoka hili, rana wa wafanya kolu, yoka hili, rana wa wafanya, yoka hili, rana wa wafanya omra. Zoza mbaru kwa isha. Lasiwe kwa hili sasi isu wana aja mbile kwa rodesi, rodesi wa ukaya, usoma huu hili, hili ni mara kwa hili kuna hilo. Mbeke suwa timu ya kwezi watu. Wazi wahaki, watata haki. Nari, likuwa